ていた少女はお茶会に遅れないようもう何日も眠ることができないいや寝れないでいる寝たらダメだ寝たら死ぬ Il fut un temps pas si lointain où la mégalopole de Tokyo n'était pas celle que l'on connaît aujourd'hui et où la ville impériale se concentrait sur son cœur historique, laissant la campagne et les cultures cohabiter avec les urbains pour quelques décennies encore. Le jeune monarque avait rompu avec l'histoire et effacé le nom de Edo pour celui de Tokyo, la capitale de l'Est. À une époque où Shinjuku s'appelait encore Okubo et n'était qu'un village rattaché au district de Toyokuma, les portefaix, les comptables et les cultivateurs cohabitaient et tentaient de faire face à cette ère Meiji réformatrice. Les campagnes sanglantes de l'empereur en Russie comme en Mandchourie prenaient les fils des paysans comme ceux des marchands et ne les leur renvoyaient pas toujours à la maison. Mais depuis la restauration de 1868, le visage du Japon avait considérablement changé et abordé le XXe siècle sous le signe de la modernité administrative, médicale et militaire, pour le meilleur certes, mais parfois pour le pire. Les 50 districts qui deviendraient les 23 arrondissements avaient remplacé les provinces. Une justice centralisée et indépendante avait remplacé celle du shogunat, autrefois soumise aux intérêts des seigneurs locaux et guidée par la morale, et le tramway, les trains et la technologie repoussaient chaque jour un peu plus les chevaux et les bœufs. La grande université de Tokyo avait ouvert ses portes et comme nous l'avons vu dans l'affaire Noguchi-Otoko Saburo, le monde entier s'y pressait pour y dispenser un savoir dont les jeunes étudiants étaient friands. Dans son coin, en 1902, Otiyama Komanosuke construisait la première automobile japonaise de l'histoire, trois ans après que le quartier de confinement des étrangers de Tsukiji soit supprimé et remplacé par l'hôpital Saint-Luc. La police se modernisait et prenait ses quartiers à Marunouchi, non loin du barreau de Tokyo, dont les jeunes avocats fraîchement sortis de la nouvelle université de Tokyo révolutionnaient la justice et connaissaient par cœur le jeune code pénal de 1880, directement inspiré du code Napoléon français et toujours en vigueur aujourd'hui. Mais cette belle époque à la mode japonaise est aussi celle qui a vu s'affronter deux visions de la société et de ses codes, et ce, particulièrement dans ces grandes cités industrialisées et modernes qui gagnaient du terrain, au sens propre comme au figuré, sur une ruralité encore souvent ancrée dans la féodalité et ses us. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui prend place dans ce Tokyo de début de siècle et implique trois destins croisés pour le pire et trois mondes forcés à vivre ensemble, souvent sans se comprendre. Laissez-moi vous raconter les histoires du meurtre de Shitaya Noriko, de son meurtrier Ikeda Kametaro et de l'avocat Hana Itakuzo. Ikeda Kametaro est né le 9 juillet 1874 à Yoshima, un petit village des abords immédiats de Tokyo, de parents cultivateurs de la classe moyenne basse. Cadet d'une famille de 8 enfants dont seulement 6 survivront, il était aussi le plus fluet et souffrira très jeune de carences graves qui lui donneront plus tard son allure si particulière. Plus grand que les enfants de son âge, maigre à l'extrême, le dos voûté, un cou interminable et décharné, il était également pourvu de quatre incisives supplémentaires, comme Freddy Mercury, et d'une taille hors norme, ce qui lui valut d'être la cible des colibés de ses camarades de classe et de ses contemporains en général. Il suivra une scolarité médiocre jusqu'à ses 11 ans révolus et viendra travailler à la ferme avec ses parents et ses trois frères. Ses deux sœurs aînées, elles, seront mariées très jeunes, 15 et 17 ans, à des fils de fermiers voisins pour agrandir l'espace cultivable et assurer l'avenir du reste de la famille. Les informations sur son adolescence manquent, mais un incident notable arrivé en 1889 et consigné dans les archives de la police donne un éclairage sur le chemin qu'il commençait à suivre. À cette époque, il travaillait dans les rizières avec son père et livrait parfois des commandes potagères à des gens du village. Celui que tout le monde appelait la tortue aux grandes dents apportait de grands paniers d'osier pleins de légumes, les laissait devant la porte lorsque les clients n'étaient pas là ou les portait directement dans la cuisine. Très attiré par ces dames, il tentait parfois un brin de séduction avec les jeunes filles de la maison, mais en vain, ce qui fit grandir chez lui un sentiment de frustration profond. Ses frères, ses copains, tous autour de lui, avaient déjà trouvé chaussures à leurs pieds et ne se privaient pas de parler de leurs exploits nocturnes et de leurs fredaines. Kametaro, lui, ne pouvait qu'imaginer. Il le dira plus tard. Lors de cet incident, il n'avait même jamais vu de corps féminin nu, si ce n'était celui de sa vieille mère après le bain, image qui le travaillait pourtant. Ce jour de mai 1889, il livrait deux grands paniers de maraîchage chez Madame Smiyoshini Dico, une jeune veuve de 26 ans, sans enfants, qui avait ouvert un petit atelier de confection dans le bourg de Yoshima. En fin de journée, vers 20h30, d'après le rapport de police, il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Voyant de la lumière dans l'habitation, il entra et posa les lourds paniers dans l'entrée. Ce faisant, il entendit quelqu'un chantonner au fond de la maison et un petit bruit d'eau que l'on verse. À cette heure où une majorité de japonais prenait son bain, le jeune garçon comprit bien vite ce que la maîtresse des lieux était en train de faire. Mais au lieu de partir bien vite comme l'aurait fait n'importe qui, il enleva ses chaussures et traversa la maison jusqu'à la dernière petite pièce située à l'arrière de la demeure, la salle de bain. En arrivant près de la porte, il se cacha le long du chambranle et vit Madame Semiyosi, nue, qui se relaxait dans son bain. Pris d'une émotion soudaine, il l'observa et bientôt se masturba frénétiquement en oubliant de se cacher plus que ça, ce qui épouvanta la malheureuse lorsqu'elle l'aperçut enfin en pleine action, à quelques mètres d'elle. Elle se mit à crier si fort que tout le voisinage put l'entendre. Kametaro lui partit à toutes jambes, laissant même ses chaussures dans l'entrée. Mais alors qu'il prenait la poudre d'escompette, deux solides voisins l'attrapèrent par le collet et lui demandèrent ce qui se passait. Après qu'il leur assurait n'en rien savoir, la malheureuse madame Somiosi apparut, trempée et en kimono d'intérieur, en pointant le garçon du doigt, expliquant à la ronde ce qu'il venait de faire. Un des voisins lui mit une copieuse raclée, puis ils le conduisirent au poste de police. Il fut jugé par un juge pour mineur après une nuit en cellule et écopa de cinquièmes d'amende, une somme très importante à cette époque. Dans les mois qui suivirent, il sera surveillé de près par les gens du village et les rares filles qui lui parlaient encore se mirent à le fuir comme la peste. Son nom changea et tous commencèrent à l'appeler la Tortue Perverse. Les enfants avaient même composé une chanson qui relatait ses exploits au nanistes et il la lui chantait dès que possible. En avril 1894, alors qu'il avait 20 ans, le jeune homme sera une nouvelle fois arrêté par la police, pris sur le fait pendant qu'il s'adonnait au même genre d'activité caché derrière un buisson qui donnait sur un établissement de bains publics réservé aux femmes. Cette fois, il sera incarcéré un mois et devra payer des dommages et intérêts aux femmes présentes lors de son forfait. Dans son procès verbal d'audition, il avouera s'adonner régulièrement à cette activité, que ce soit derrière les fenêtres des habitations individuelles ou celles des établissements publics. Il dira être toujours vierge et ne plus le supporter, n'avoir pas assez d'argent pour fréquenter les maisons closes, et être rejeté par toutes les filles de la région. Ce genre d'incident arriva régulièrement dans les années qui suivirent et celui que l'on appelait la tortue inspirait de plus en plus de crainte et de dégoût dans la population locale, à tel point que son père décida de le cantonner aux travaux des champs et ne l'envoya plus livrer ses commandes. Lorsque d'aventure il se risquait vers le village ou les abords de la ville de Tokyo qui commençait à s'approcher doucement mais sûrement, la police l'interceptait et le renvoyait dans ses pénates manu militari. Alors il dut se résigner et se mit à boire, seul moyen pour lui d'oublier cette envie obsessionnelle. Seulement, un nouveau problème, encore plus grave, découla de cette nouvelle addiction, celui de l'inhibition qui s'envolait au fur et à mesure que la bouteille se vidait. Depuis peu, il vivait dans une dépendance de la ferme familiale, seul, car son frère aîné, Diello, l'avait surpris en train de regarder sa fille de 8 ans prendre son bain, et ce d'une manière plutôt insistante. Alors rejeté par sa famille et par le monde, Ikeda commençait à imaginer le sien et l'alcool aidant, échafaudait des scénarios terribles. Le 8 juillet 1901, à minuit, il avait déjà bu plus que de raison et avait passé une bonne partie de la soirée à examiner sous toutes les coutures les trois gravures érotiques qu'il avait achetées à un marchand d'images itinérant. N'y tenant plus, il prit le chemin du village voisin qui s'agrandissait année après année et formait maintenant un quartier de la grande ville. Titubant, il marcha jusqu'à Nishio Kubo, une extension urbaine qui touchait son hameau et deviendra le quartier de Shinjuku quelques années plus tard. Là, il vit quelques lumières allumées, le long d'un petit cours d'eau, se rapprochant. Il comprit que c'était celle d'établissements de nuit, bars et maisons closes. S'approchant d'un pas décidé, il aborda une jeune femme qui proposait ses charmes face aux lanternes. Après lui avoir fait remarquer à quel point il était laid, semblait sous comme une barrique, Letair lui annonça les tarifs bien trop élevés pour lui, puis lui demanda de partir, appelant ses collègues de trottoir à la rescousse au cas où l'homme se montrerait retors. Il argumenta bien quelques minutes, réclamant un rabais, faisant appel au bon cœur de ses dames, mais prit ses jambes à son cou lorsque le souteneur descendit s'abre au point. Il courut jusqu'à un petit abri à une centaine de mètres du bordel et roula une cigarette, frustré plus que jamais et énervé. Plein comme une autre, il finira par s'endormir. Vers trois heures du matin, il fut réveillé par des rires, ceux de deux jeunes femmes, dont une qu'il reconnut de suite. Ce n'était autre que la jeune prostituée à qui il avait parlé trois heures avant. Il se leva et les suivit discrètement pendant un moment, puis les deux amis se dirent bonne nuit et se séparèrent. Ikeda suivit la femme qui l'avait rabrouée pendant quelques centaines de mètres avant que celle-ci n'arrive chez elle. Il regarda les lumières s'allumer, fit le tour de la petite maison où il pensait que la salle de bain se trouvait. Il y en avait bien une, mais des plus rudimentaires, une petite cabane de bois ajourée et un grand baquet de bois lui aussi alimenté par une chaudière à bois elle également et une grande bassine de cuivre qui réchauffait l'eau. Très vite, il vit la jeune femme sortir et allumer le feu. Il se glissa derrière le tas de bûches qui alimentait le réchaud et attendit. Elle revint en kimono de nuit et versa l'eau chaude dans le baquet. Tira une palissade de bambou pour se dérober à la vue des passants potentiels et se déshabilla. Ikeda était dans la place, tapie derrière les bûches. Pendant que la jeune femme se lavait, le voyeur faisait sa petite affaire et une fois qu'elle sortit du bain pour attraper sa serviette, eut une pulsion irrépressible. Il attrapa un morceau de bois et se glissa derrière la femme sans bruit. Il leva le large bâton et tenta de la frapper sur le crâne pour la sommer, mais l'excitation et l'alcool ajustèrent heureusement mal son cou et il toucha la malheureuse à l'épaule. Elle se retourna brusquement et se mit à hurler. Aussitôt une voix retentit dans la maison et un homme en tenue de nuit accourut tandis que la victime criait au secours et que Ikeda, paniqué, tentait de la raisonner en lui agrippant solidement le bras. L'homme se saisit de l'agresseur et lui demanda ce qu'il faisait là avant de lui administrer une sévère correction. Puis il lui expliqua qui il était, c'est-à-dire un membre de gang Yakuza, lui promit de ne pas alerter la police, mais lui expliqua également qu'il était interdit de séjour dans le quartier, et qu'une entorse à cette règle lui coûterait la vie. Il rentra chez lui, clopin, clopin, avec sûrement quelques os brisés et le visage en sang. Effectivement, il se fit oublier quelques temps et se concentra sur son travail et son arsouillerie, investissant parfois quelques sous dans de nouvelles images friponnes. En 1905, la ville s'étendait de plus en plus et de nouveaux bâtiments sortaient de terre chaque mois, préfigurant ce que serait la mégalopole de Tokyo. Les terres agricoles réduisaient comme peau de chagrin et la famille Ikeda voyait le moment où il allait falloir quitter la ferme pour d'autres horizons. Au mois de mai, le père Ikeda, qui travaillait deux jours par semaine pour un gros fermier de Saitama, eut un accident fatal pendant son labeur et la veuve toucha une forte somme en dédommagement. Ils vendirent les terres et ne gardèrent que la maison et un bout de terrain pour y faire un jardin. L'année précédente, la fille aînée des Ikeda avait perdu son mari pendant les campagnes de Russie et était revenue vivre avec ses parents. Alors, Kametaro se retrouva avec sa mère et sa sœur. Inquiète des dérives de son fils et de son célibat forcé, elle décida, avec l'aide de sa fille, de lui trouver une femme en faisant miroiter une belle dot à l'hypothétique belle famille. Ils finirent par trouver une jeune femme de 25 ans, presque aussi laide que le fils maudit, et prête à épouser l'individu contre des hyènes or pour sa famille, dans une misère noire. Enfin, à 29 ans, l'homme allait connaître les voluptés de l'alcôve. Le mariage tint quatre mois avant que la malheureuse épouse ne jette l'éponge. Alcoolique, violent et obsédé par la chose, il fit de la vie de cette pauvre femme un véritable enfer. Ce furent quatre femmes qui se succédèrent en trois ans, toutes alléchées par la dot et la promesse d'un avenir meilleur et qui partirent très vite face à la réalité de cet être pervers et violent. En 1908, sa mère lui avait trouvé une nouvelle compagne, une jeune femme de 23 ans, Hisano, dont le visage avait été balafré par un accident lorsqu'elle était enfant et dont les parents savaient qu'elle ne pourrait jamais trouver un bon parti. Alors, elle emménagea dans la maison Ikeda, épousa la tortue et connut très vite l'enfer de ses prédécessrices. Ivre chaque jour, il avait entretenu sa jeune épouse de son appétence pour le voyeurisme et son incapacité à passer à l'acte s'il ne s'était pas d'abord chauffé. Derrière une palissade en observant les baigneuses. Alors chaque soir, bourré comme un cosaque, il allait retrouver son spot favori, un nouvel établissement de bains publics pour femmes derrière lequel il avait trouvé une palissade de bois dont un ne pouvait se retirer puis se remettre à loisir, lui donnant celui de mater sans se faire repérer. Après avoir passé une heure ou deux de travail manuel, une bouteille de shochu bon marché dans l'autre, il rentrait chez lui et sautait sur sa femme. Lorsqu'elle en eut assez de ses viols conjugaux à répétition, elle en informa sa belle-mère et sa belle-sœur qui, très vite, la prirent avec elle le soir, lui évitant ainsi les affronts de l'ivrogne. Il se retrouvait donc marié, mais à nouveau privé de ce qu'il aimait le plus dans la vie après l'alcool. Le 22 mars au soir, ivre mort, une fois de plus, il prit sa musette, y glissa deux bouteilles d'alcool de sarrasin et prit le chemin des bains publics pour femmes Moriyama de Nishi Okubo. Shitaya Noriko est née le 10 septembre 1881 à Warabi, dans l'ancien district de Toyokuma. Fille unique d'un couple de notables loyalistes et proche des institutions impériales, elle avait passé sa petite enfance dans une belle résidence de cette campagne proche de la nouvelle capitale et qui deviendrait la préfecture de Saitama. Enfant douée pour l'étude et les arts, elle suivait sa scolarité à domicile grâce à un précepteur attentionné et plusieurs fois par semaine prenait des cours de couture et de broderie, de cérémonie du thé et de coteau, instruments dont elle jouait à la perfection dès son plus jeune âge. Soucieux de la faire entrer dans ce nouveau monde d'ouverture qui fascinait son père, chimiste et grand ami des arts, ses parents voulurent la faire entrer à l'école rurale de Okubo pour qu'elle se fasse des amis et s'intègre. Mais très vite, elle fut victime de harcèlement et d'un rejet violent de la part de ses camarades. Son origine sociale, tout d'abord, et ses manières bien éloignées de celles des filles de ferme de la petite école, et surtout son apparence atypique. En effet, Noriko avait la peau si claire qu'elle en était presque transparente et les yeux clairs aussi d'un vert amande tout à fait étonnant. Sa mère était originaire de l'île de Goto, connue entre autres pour avoir une origine de peuplement différente du reste du Japon aujourd'hui encore et il n'est pas rare d'y rencontrer une population autochtone que l'on pourrait penser métissée. Et c'est justement cela qui fit que la petite Noriko était rejetée brutalement par ses petits camarades. Son langage soutenu, sa diction et son apparence firent penser aux petites filles qu'elle était étrangère, ce qui entraîna un rejet total de sa personne et de ce qu'elle pourrait représenter. Le Japon rural de cette fin du 19e siècle était beaucoup moins enclin à ouvrir les bras au monde extérieur que ne pouvaient l'être les élites intellectuelles et politiques. La mort dans l'âme, ses parents lui firent retrouver le chemin de la maison et de son précepteur, puis, oubliant leurs élans progressistes, la préparèrent au mariage qu'ils envisageaient déjà pour elle. Au fil de ses évolutions de carrière et des entrées dans le monde de l'aristocratie impériale de sa femme dont elle était issue, le père de Noriko fréquentait les salons du prince Masayoshi Matsukata, alors ministre des Finances de l'empereur et en voie de devenir Premier ministre. Le prince avait un neveu de l'âge de Noriko, le plus jeune de la famille, un bon Arien qui à 15 ans déjà courait la gueuse et s'enivrait avec ses camarades de l'école militaire qui essayaient de le mater. Shitaya savait tout cela, mais cette ivresse des cimes, ce désir d'intégrer cette haute société par la grande porte, quitte à lui sacrifier sa fille unique, semblait plus fort que tout. Certes, sa femme descendait d'une noble lignée, mais dans le Japon post-shogunat, comme souvent dans le reste du monde, c'était par l'homme que le titre se transmettait. Alors, à 16 ans, les deux jeunes gens furent promis l'un à l'autre, et Noriko peaufina son éducation de jeune femme comme il faut en attendant les épousailles. À 20 ans, elle convola en juste noces avec le jeune Noguchi Yonejiro, homonyme du célèbre écrivain, et le couple s'installa dans une belle maison du centre de Tokyo, propriété de la famille du ministre depuis toujours. Elle s'était résignée à ce mariage forcé et avait renoncé à ses rêves de prince charmant pour vivre une réalité princière beaucoup moins charmante. Le fils Noguchi, oisif et entretenu par son oncle, n'avait en rien renoncé à ses vices et les avait même développés avec le temps. Alcoolique notoire, opiomane à 16 heures, volage et parfois violent, la jeune mariée fut vite plongée dans un cauchemar au quotidien. Seule dans son immense maison, elle attendait chaque jour un époux qui ne rentrait qu'au petit matin, ivre mort et encore baigné dans les vapeurs âcres du pavot et des filles des bordels. Cette union durera deux ans avant que les parents de Noriko, inquiets de la voir si malheureuse et parfois marquée des coups de son mari, ne la fassent réintégrer le foyer parental, demandant réparation au prince et, bien sûr, exigeant un divorce immédiat. Ce fut fait et elle reçut en dédommagement de ce mariage catastrophique une somme de 5 yens, or une fortune à l'époque ainsi qu'une belle maison à Okubo, dans l'actuel arrondissement de Shinjuku. Désireuse de reprendre sa vie en main, elle revint à ses premières amours et se consacra à la musique et aux arts domestiques, brodante et excellente dans l'art du thé qu'elle se mit à enseigner. Toujours aussi belle et très appréciée de tous dans son quartier, elle se vit toutefois confrontée à un petit problème lorsqu'elle emménagea là toute seule. À cette époque, certes avide de modernité mais toujours empreinte des codes anciens, une femme seule, divorcée de surcroît, belle, apprêtée et qui fait de la musique était, pour le commun des mortels, une fille de mauvaise vie. Alors, pour pallier à ce handicap social, sa tante vint emménagère avec elle et se chargea de lui faire une réputation de femme sérieuse, toujours marquée par un mari violent et qui n'attendait qu'un homme bien et sérieux pour fonder un foyer. Les années qui suivirent furent pour elle des plages de liberté et d'accomplissement artistique, donnant des cours à des élèves de plus en plus nombreux et vivant une vie simple. En 1907, elle avait atteint l'âge fatidique de 26 ans et, croyante et empreinte de superstitions propres à cette époque, elles n'ont d'ailleurs pas tellement changé, décida de chercher un époux parmi les nombreux hommes qui la courtisaient. Pour explication, une tradition religieuse Shinto établissait la limite de mariage et d'enfantement à 27 ans pour les femmes, après quoi elles laissaient entrer des esprits maléfiques en elles et devenaient des femmes perdues. La tradition était beaucoup plus souple avec les hommes, bizarrement. Parmi ces prétendants, plus ou moins officiels, l'un d'entre eux sortait du lot. Un peu plus âgé qu'elle, 31 ans à l'époque, Koda Kiyo était le directeur du centre local de télécommunications et avait plus d'une fois invité la jeune femme à faire quelques pas à ses côtés lorsqu'elle venait téléphoner dans son établissement. Il ne se cachait pas de son inclination pour Noriko et lorsque celle-ci, connaissant sa réputation d'honnête homme et son sérieux, lui rendit enfin ses sourires et lui accorda les quelques pas ensemble qu'il espérait tant, les choses s'enchaînèrent très rapidement et les deux tourtereaux publièrent les bons. Ils se marièrent en mai 1907 et le jeune homme vint s'installer dans la belle maison de sa femme. Elle arrêta ses cours et se consacra à son mari, puis, avec l'automne, vint la joie qu'elle espérait depuis si longtemps celle d'un enfant à venir. Semaine après semaine, mois après mois, le couple, heureux et épanoui, avait gagné la sympathie de tout le quartier et la tante, qui était repartie chez elle après avoir sauvé la réputation de sa nièce chérie, s'apprêtait à refaire surface pour épauler la future maman dans ses tâches ménagères. Chaque jour, Koda partait au travail, un délicieux déjeuner préparé par sa femme dans sa besace. Noriko, elle, s'occupait des tâches ménagères et le soir, après avoir préparé le dîner et avant le retour souvent tardif de son opérateur de mari, elle allait se détendre dans un bain public du quartier voisin de Nishiokubo, le Moriyama avec ses amis et les femmes de son cercle proche, profitant des sources chaudes et buvant du thé en parlant de la vie, de leur mari et de son ventre, qui commençait à s'arrondir légèrement. Depuis quelques jours, Kyohei, le petit frère de son mari, était là, de passage à Tokyo, il était venu saluer sa belle sœur et porter quelques présents pour le bébé à venir. Le 22 mars 1908, en début de soirée, elle prit sa grande serviette de bain, une plus petite pour mettre sur sa tête et son baluchon avec quelques friandises pour ses amis, et partit pour les bains Moriyama à Nishiokubo. Ikeda cheminait, têtant sa bouteille d'une main et tirant goulument sur une cigarette lorsque vers 19h30, traversant le quartier de Harakicho, il remarqua quelque chose qui brillait sur le bord de la route. Il se baissa et eut la surprise de constater que c'était un yen or qu'un notable du quartier avait dû faire tomber en rangeant sa bourse. Toujours assoiffé et un peu affamé, la tortue continua son chemin jusqu'à Yotsuya, un petit quartier adjacent de Nishiokubo, dans lequel il n'était pas interdit de bar. Cette fortune en poche, il s'attabla et commanda de la friture et une bouteille de nironcieux. Les doigts gras de poisson ruisselant et le front perlé, il se leva, titubant et mal arrimé au sol, jusqu'au comptoir où quelques filles attendaient le client en sirotant de la bière de ménage. Voyant la pièce en or qu'il tenait entre ses doigts huileux, deux d'entre elles se levèrent et, passant outre l'aspect particulier de ce futur pigeon, lui demandèrent de leur payer à boire. Ikeda commanda une bouteille de leur meilleur breuvage et servit les jeunes femmes, puis une deuxième et une troisième. Sentant le son lui monter à la tête et ailleurs, il commença à s'essuyer les doigts dans le corsage des deux pros qui, visiblement, n'avaient pas très envie de partager l'intimité de ce client peu ragoûtant. La tenancière du bar vint lui demander de régler son dû avant de continuer les hostilités et, bien vite, le yen or se transforma en une poignée de monnaie grise tout juste bonne à régler une livre de navet. Très insistant auprès de l'une des filles à qui il avait payé à boire, Ikeda avait sorti son service trois pièces et au milieu du bar s'adonnait maintenant à son activité favorite. La mama, une femme robuste d'une quarantaine d'années, l'attrapa par le col et après un violent coup de pied là où vous pensez, le jeta dehors lui balançant sa musette et ses chaussures à la figure. Passant par là, un policier du poste de Yotsuya vint l'interpeller et demanda à la patronne ce qui s'était passé. Elle répondit juste, visiblement peu intéressée par une intervention policière dans cette histoire, que ce monsieur avait assez bu et avait été obscène avec une jeune fille de son respectable établissement. Le policier consigna la chose succinctement dans son petit carnet à spirale et intima l'ordre à Ikeda de mettre les voiles et surtout de ne plus jamais remettre les pieds dans son quartier. Il était environ 21 heures. Chauffé à blanc par ce qu'il venait de vivre, l'homme, déjà passablement sous continua son chemin jusqu'au bain Moriyama et grimpa le petit talus qui le menait à la palissade de bois dans lequel il avait trouvé un nœud amovible qui lui permettait d'observer les clientes dans leur bain. Il s'installa, alluma une cigarette et but une rasade d'alcool fort, puis, comme à son habitude, attaqua ses activités manuelles nocturnes. La nuit était tombée et les bains se vidaient déjà. Déportant son regard vers le petit parc à qui longeait le bâtiment, il remarqua que le groupe de femmes qu'il avait épiées à un long moment était sorti et marchait dans le petit parc mal éclairé. Il longea la palissade, se posta en retrait derrière un buisson et observa les trois amies, serviettes sur la tête, qui se disaient au revoir. L'une d'elles, qu'il avait déjà remarquée depuis longtemps, une jeune femme à la peau et aux yeux clairs, passa devant lui en direction de la grande rue qui l'amènerait certainement vers chez elle. Il vida le reste de sa bouteille, prit une grande inspiration et sortit de son buisson. Il était déjà vingt-deux heures et la tante de Noriko commençait à se faire du souci. Elle n'avait pas l'habitude de traîner aussi longtemps après son bain, craignant toujours de faire une mauvaise rencontre. Ne voulant pas déserter la demeure au cas où elle rentrerait, elle demanda au jeune frère d'aller voir chez Moriyama si elle y était toujours, mais après avoir interrogé les employés qui s'affairaient à nettoyer l'endroit avant la fermeture, toutes lui indiquèrent qu'elle était partie depuis une bonne heure. Il chemina en sens inverse, regardant autour de lui et questionnant les gens du voisinage, mais elle restait introuvable. Il rentra chez son frère qui venait d'arriver et toutes et tous se mirent en quête de Noriko bien vite, des voisins et un policier se joignirent à leur groupe de recherche et vers minuit, un marchand de bonbons dans la boutique juxtée, le parc Aoki et qui participait aux recherches vint annoncer la nouvelle. Le corps de Noriko était là, caché derrière un buisson. Elle était nue et sa serviette de bain avait été enfoncée dans sa bouche et nouée derrière sa tête. À la lueur d'une lampe, on vit que son corps avait été griffé et frappé violemment, mais surtout Mordu férocement à de nombreux endroits qui avaient abondamment saigné, une partie de son sein droit avait été arrachée par l'une de ses morsures que l'on retrouvait sur son ventre, l'intérieur de ses cuisses, ses fesses et son cou. Le parc fut immédiatement fermé au public et la police criminelle appelée par la locale emporta le corps pour une autopsie. La malheureuse avait été violée et étranglée et le médecin l'affirmait mordu prémortem. Le relevé des empreintes dentaires sur le corps montra que l'agresseur avait une dentition hors norme et, chose rare, quatre incisives supplémentaires. Quant à l'heure supposée de la mort, elle fut établie entre 20h30 et 21h se basant sur la rigidité cadavérique. La police fouilla les lieux du crime et y trouva de nombreux mégots de cigarettes au pied d'une palissade et deux bouteilles d'alcool vide. Ils remarquèrent ce nœud dans le bois qui semblait avoir été enlevé à de nombreuses reprises et formait alors un œilleton qui donnait directement sur les bains Moriyama. Ces éléments en poche, l'enquête fut rapide et très vite la tortue perverse, celui que tout le monde désignait déjà comme le coupable, tout trouvé, fut arrêté à son domicile. Il passa plus d'un mois dans les locaux de la police métropolitaine de Tokyo, niant farouchement l'avoir tué, puis il se rétracta et, le 4 avril, il avoua son meurtre après de vigoureux interrogatoires qui le laissèrent souvent sur le carreau. Sa femme et sa mère témoignèrent que le soir du meurtre, il était rentré vers 23 heures ivre-mort et avait réveillé tout le monde en s'écroulant dans les escaliers. D'après elles, il s'était endormi vers minuit et n'était pas ressorti de la nuit. Ses précédentes condamnations, son penchant notoire pour le voyeurisme, les agressions de femmes et l'alcool lui valurent une mise en examen pour meurtre au premier degré et son procès, que l'opinion publique choquée par l'affaire attendait avec impatience, débuta le 13 juin 1908. Le célèbre avocat pénaliste Sawada Kaoru prit cette affaire découverte comme beaucoup dans les journaux et orienta sa défense vers un conflit de classes opérant une inversion accusatoire et accusant la nouvelle caste dirigeante d'écraser le peuple et de les pousser à la violence en les affamant. Mais la partie civile avait pour elle de solides éléments en apparence les aveux complets signés en garde à vue par ikeda pour commencer les bouteilles vides retrouvées sur les lieux du crime et identifiées par un épicier comme étant la marque favorite du mis en examen les témoignages de nombreux riverains qu'il avait vus sur les lieux ce jour-là sa famille qui affirmait qu'il était rentré deux bonnes heures après l'heure du meurtre les traces de morsures qui coïncidaient avec sa dentition hors norme et bien d'autres encore la liste serait trop longue le jour de l'ouverture du procès, le tribunal de district de Tokyo était plein de curieux venus se repaître d'histoires graveleuses car il allait sans dire que les mœurs de l'accusé allaient être étalées au grand jour pour le plus grand plaisir des badauds. Mais à la grande surprise de tous, il n'en fut rien. Après la lecture de l'acte d'accusation, le prévenu se leva d'un bond et hurla à la cour qu'il était innocent, qu'il avait été torturé par la police et avait signé des aveux mensongers. Le public s'indigna et hurla au scandale, qu'on le punisse à mort. Le juge fit évacuer la salle et reporta l'audience au lendemain, acceptant le huis clos demandé par maître Sawada pour raison de bonne mœurs. Les audiences reprirent le 17 juin et la partie civile étala sous tous les angles les perversions de Ikeda, faisant remonter ses condamnations passées mais aussi sa réputation de voyeur et d'agresseur de femmes. Plusieurs voisines vinrent témoigner l'avoir vu rôder autour de leur salle de bain, certaines prétendant même qu'il avait tenté de les violer. Ses anciennes compagnes vinrent déposer à la barre et parlèrent de son alcoolisme, de ses perversions et de la violence domestique dont il pouvait faire preuve. Journaliste chroniqueur de l'époque qui deviendra un célèbre écrivain et dramaturge, Hasegawa Shin, compagnon littéraire de Edogawa Rampo et humaniste proche des anarchistes, écrira que dès l'ouverture du procès, le verdict brillait dans les yeux du juge bourgeois et dégoûté par ce gueux dont il méprisait tout. La défense fit citer une foule de témoins mais peu furent autorisés à s'exprimer et les filles de joie qui auraient pu déposer n'y furent pas invitées. Ikeda se contentait de dire qu'il était sous comme une barrique et ne se rappelait de rien à propos de cette soirée. Mensonge qui causa certainement sa perte, il affirmait Bakéon qui ne connaissait pas le bain public Moriyama et n'y avait jamais mis les pieds allant à l'encontre des preuves retrouvées sur place et même des témoignages des clientes et des employés. Bien sûr, celui que la presse surnommait la tortue perverse ou la tortue dentée ne niait pas son penchant pour le voyeurisme et avouait même passer beaucoup de temps derrière les fenêtres des femmes, des bains publics et même des hôpitaux, mais niait farouchement avoir tué Kodanoriko. Le 17 juillet, dernier jour des débats, devant l'avalanche d'épreuves, Ikeda admit ce souvenir qu'il avait peut-être parlé à la jeune femme à sa sortie de l'établissement et même qu'il s'était sans doute exhibé devant elle, mais pas plus. Le mari, ivre de colère et de douleur, hurla qu'on le ponde sur le champ, les débats cessèrent pour ne pas aggraver la peine des familles et l'affaire fut mise en délibéré. Le 10 août, le tribunal de district de Tokyo le condamna à la prison à perpétuité pour le viol et le meurtre de Koda Noriko. Cette condamnation créa un véritable scandale dans les milieux littéraires libertaires qui y virent une sentence de classe et qui, depuis le début de l'affaire, prenaient parti pour Ikeda. Hasegawa Shin, l'écrivain contacta son ami Osugi Sakae, un activiste anarchiste qui vécut en France où il fut emprisonné et qui luttait pour la libération des prisonniers politiques japonais, il visita Ikeda en détention. L'homme lui parla à de nombreuses reprises et lui expliqua qu'il était victime d'un système répressif qui ne s'attaquait qu'aux classes défavorisées dont il faisait partie, tentant de lui inculquer les bases de la pensée libertaire en vain. Le fils d'aristocrate lettré et idéaliste avait du mal à communiquer avec le fils d'ouvrier illettré qui pensait qu'il méritait son châtiment. Alors l'affaire fut portée sur le devant de la scène par toute la presse progressiste de l'époque qui s'emparait de toutes les histoires criminelles de ce genre. Hasegawa contacta alors l'illustre ténor du barreau, Hanai Takuzo, pour reprendre l'affaire en main et interjeter appel de cette décision inique. Je vous parle souvent de cet homme de loi historique et très important dans l'histoire du pays et voudrais revenir un peu sur le parcours de Hanai. Né le 3 juillet 1868 à Mihara dans la préfecture de Hiroshima, il était le quatrième fils du célèbre samouraï Hirohimon Tatihara, loyal jusqu'à la mort à la famille impériale. Suite à la mort de ce dernier en 1888, le jeune Takuzo fut adopté par la famille Hanai, proche du pouvoir et membre de fondations universitaires. Il a étudié le droit dans la plus prestigieuse université impériale de Tokyo, devenue juste après l'université Tio, et obtenu son doctorat en droit constitutionnel. Il gravit rapidement les échelons et se retrouva président du barreau de Tokyo, puis professeur de droit à la faculté de Tio, avant de participer à la rédaction du code pénal japonais en 1907, basé sur le code Napoléon dont il était un fervent admirateur et défenseur. Avant de se lancer en politique, il fut connu pour des succès retentissants dans quelques affaires comme le meurtre de Roshi en 1901 dont je vous parlerai prochainement, celle de l'accusation pour haute trahison de shosuke Kotoko en 1910, une affaire Dreyfus à la japonaise, mais aussi pour des procès politiques comme ceux des émeutiers du riz en 1918 et des syndicalistes des attaques de Hibiya juste après. Influencé par les Lumières, les penseurs socialistes russes et japonais, il n'a pas été qu'un brillant avocat, mais aussi un député progressiste, cette fois élu à la Chambre, et qui tenta à de multiples reprises de faire entrer l'égalité homme femme dans la Constitution, mais en vain. Pendant sa carrière, il a plusieurs fois défendu des terroristes anarchistes gratuitement et s'est associé à ses amis écrivains et journalistes pour médiatiser ce combat politique qu'il trouvait légitime. Avant de reprendre le cours du procès, il convient de dire que l'échiquier politique japonais de cette époque, bien que souvent basé sur des penseurs occidentaux, suivait des systèmes de pensée inséparables des codes sociaux et civilisationnels toujours de mise de nos jours. Ainsi, dans ses nombreux écrits, Hanai se réclame de Marx ou de Bakunin tout en déclarant sa fidélité à l'empereur et à son pays qu'il se disait prêt à défendre jusqu'à la mort. Ce paradoxe très intéressant court toujours, mais tel n'est pas notre propos. Le 29 avril 1910, la Cour d'appel de Tokyo ouvrit sa première audience, présidée par le très conservateur juge Tateishi. Assisté d'une équipe de juristes et d'enquêteurs brillants, maître Hanai avait tout mis en œuvre pour retrouver les personnes que Ikeda avait pu croiser le soir du meurtre, ayant retenu que l'accusé se souvenait vaguement d'avoir bu et chahuté avec des filles ce soir-là. Après de multiples recherches de terrain, Yokohama Kotaro, un élève de Hanai, avait pu retrouver le bar en question et même l'une des filles présentes ce soir-là. La mama, qui avait mis l'ivrogne à la porte, ne se rappelait plus de l'heure précise de l'incident, mais se souvenait clairement qu'un jeune policier avait consigné le tout dans un carnet. L'homme, muté depuis à la police métropolitaine de Tokyo, mais très conservateur, put ainsi retrouver le dit bloc-note et affirmer sans erreur qu'il avait consigné tout cela à 21h. L'axe de la défense se basa donc sur cette nouvelle donne et ses témoignages. L'heure de la mort ayant été estimée entre 20h30 et 21h, il devenait donc impossible que Ikeda ait pu être l'auteur de ce meurtre. Pour l'aspect moral de la chose, c'est l'écrivain et sociologue Mori Ogai, auteur entre autres de Vita Sexualis, qui vint défendre le voyeurisme comme une pratique anodine et très répandue, la dissotion de tout acte violent et s'appuyant sur des études qu'il venait de terminer, montrant la faible proportion de violeurs parmi les adeptes de cette déviance. C'est ce que l'on appelle le Tessigatome qui a d'ailleurs toujours cours au Japon, mais qui jouit évolution des mœurs s oblige d'une réputation en perte de vitesse. Ces échanges un peu étranges entre la défense et les juges répétant le nom de Ikeda, la tortue dentée, et relayés par la presse, donnèrent lieu à une expression longtemps utilisée pour désigner les voyeurs, des bagame, littéralement la tortue avec des dents. Comme le craignaient les avocats, les témoignages des prostituées ne furent pas acceptés par la Cour, mais celui du policier fut consigné dans les comptes rendus d'audience. La bataille juridique dura presque un an et la Cour d'assises, écrasée sous la pression médiatique et politique, mais aussi face à un réel doute alimenté par ces éléments nouveaux, statua et le 11 mars 1911 commua la peine à perpétuité en 13 ans de réclusion. Il fut libéré en 1922 et reprit le chemin de la demeure familiale où il travailla à nouveau dans les rizières, retrouvant ses habitudes alcooliques et voyeuristes. Il fut à nouveau signalé à la police par des femmes qui le virent rôder autour de la maison et par la patronne d'un établissement de bain qui l'avait découvert en pleine action, caché derrière un paravent. En mai 1933, il fut arrêté par la police de Waseda après avoir suivi une femme qu'il venait d'observer dans un bain public et devant qui il s'était exhibé. Il fera une nuit de garde à vue et sera convoqué devant le juge le lendemain. Il ne s'y présentera jamais et disparaîtra à tout jamais dans la nature. Aujourd'hui encore, personne ne sait quand ni où il est mort. Comme beaucoup d'affaires de cette période, elle divisa durablement ceux qui avaient pris parti et qui se scindèrent en deux camps. D'un côté, les tenants de l'innocence qui prirent les témoignages de la prostituée et du policier à la lettre et l'heure de la mort pour précise, ce fut le cas de Hasegawa notamment qui écrivit même sur le sujet jusqu'à sa mort. De l'autre, dont certains qui avaient pu croire à son innocence, les tenants de la culpabilité qui remirent en question la fiabilité de la médecine légale quant à déterminer l'heure de la mort à la minute précise, mais aussi celle de l'heure notée par le policier qui dira pendant sa déposition ne pas avoir eu de montre et avoir relevé l'heure sur la pendule d'un fronton réputé pour ses nombreuses pannes. Si le doute a persisté pendant un demi siècle, ce n'est plus guère le cas aujourd'hui. En 1963, un ancien co de Ikeda répondit à une interview dans laquelle il affirmait que son compagnon de cellule admettait bel et bien être coupable du meurtre et s'en vantait même plus tôt, donnant des détails que nul journal de l'époque n'avait publiés. De plus, après la disparition mystérieuse de Ikeda, sa sœur vida sa chambre pour la relouer et en jetant ses affaires, y trouva un petit linge brodé portant les initiales de Koda Noriko et taché de sang. Soucieuse de ne pas porter l'attention sur sa famille à nouveau, elle le rangea et l'oublia jusqu'à la sortie de cet article. Cette affaire ne fut pas la dernière à susciter autant de passions partisanes, mais elle fit tout de même date par son côté très politique à une époque où le terrorisme anarchiste faisait rage et où les idées marxistes commençaient à gagner les populations étudiantes. Elle entraîna d'ailleurs une réforme du barreau excluant les avocats ouvertement partisans et accéléra la loi sur les jurys populaires, elle aussi portée par Maître Hanai Takuzo, dont je n'ai pas fini de vous parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour être mis au courant des sorties. Si vous le pouvez et le désirez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip. La pluie de démonétisation de ces derniers mois n'a pas arrangé les choses. Ou en faisant un petit tour et vos emplettes sur la boutique satsujin.fr. Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le CD compilation des musiques de la chaîne ainsi que bien d'autres titres, des goodies, des prints, etc. Je vous invite à visiter ma boutique Spreadshirt pour afficher fièrement vos couleurs en toute saison et susciter l'admiration de tous. Rejoignez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis assez souvent et viens discuter avec vous dès que je le peux. Je vous laisse. Des rats grignotent mes vieux journaux pleins de vieilles affaires dont je ne voudrais pas vous priver. Matané Yeah. yeah. You can feel your heart apart, and feel your love for others and feel your love power.